Attends, elle est bien, si j'ai pas regardé. C'est vrai, je suis swag, j'ai Nivea, ah, c'est L'Oréal. C'est Michel Polnareff là. Ah, Polnareff. Alors là, faut que tu te mettes dans la peau de Seb. Alors, je vais dire, Seb était con. Et là, il faut juste le bonnet. Tu l'as? Parce qu'en fait, tu vas direct dans le cran d'or. Oui, c'est vrai. Est-ce que je suis aveugle? Ah non. Est-ce que Seb est aveugle? Non. Le masque à gaz! Ah oui, putain, heureusement que j'y pense, quoi. Heureusement que t'y penses? Ah oui? Heureusement que je t'ai fait un truc aveugle ou pas, la merde, vite, tout ça, quoi. La famille? Tu vas pouvoir le mettre? C'est bon, là, les amis? Putain, ma gueule. Vas-y, sors un. Allez, petit clin d'œil. C'est parti. Allez. Séquence Sébastien, première. Sébastien était con. Attends, refais. Il faut vraiment que ça enchaîne. Sébastien était aveugle. Ah non, merde, il est pas aveugle. Sébastien était con. Voilà le début de l'histoire. Il vivait dans un petit village que les gens avaient surnommé Bergerac. Oh. Je vais rajouter Sébastien, petit mongolien qui perdait ses mèches de dreadlocks à l'aquapark. Alors, bon courage. Sébastien était con. Voilà le début de l'histoire. Il pétait dans un petit village que les gens avaient surnommé Bergerac. Et voilà, il décida de partir du coup vers le Grand Nord. Et l'histoire s'arrête en fait. C'était pourri. Tac, voilà. Allez, c'est parti. Sébastien était con. Voilà le début de l'histoire. Il vivait, il pétait. Je me suis chié, putain. On refait. Allez, vas-y. Sébastien était con. Il pétait dans un petit village que les gens avaient appelé Bergerac. C'est pas grave. Sébastien était con. Il pétait dans un petit village que les gens avaient appelé Bergerac. Et comme il détestait cette ville, il partit vers le Grand Nord. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Le bonnet, non, refait. Le bonnet, c'est même pas le seul mètre. Sébastien était con. Il pétait dans un village que l'on avait appelé Bergerac. Et comme il n'aimait pas cette ville, il partit vers le Grand Nord. Et c'est là que l'histoire s'arrête. Je suis le conteur aussi ici, où je dis, je conte et je raconte des contes de merde. Que mes potes adorent. Et que tout YouTube peut kiffer. C'est de la merde. Et c'est de la merde. Ah, ça va bien. Ah, je kiffe. Libéré. Mais moi, je kiffe, il m'en faudrait un, sérieux.